sa force. Quand on se loue, se sous-estime. Quand on se loue, ne sait pas combien de fois il est puissant. Il ne sait pas combien de fois il est influent. Il ne sait pas combien de fois il est grand. S'il savait ce qu'il était réellement. Et oui, chers frères et sœurs, il aurait pu, n'est-ce pas, influer sur toutes les décisions en Guinée, même n'étant pas aux affaires. Eh bien, croyez-vous qu'Alpha Condé va libérer nos prisonniers politiques de son bon vouloir? Ah non, détrompez-vous. Il ne le refera pas. Pour qu'il le fasse, bien entendu, il faudrait qu'il soit sous pression. Et qui peut aujourd'hui lui mettre pression? La communauté internationale, elle ne peut que venir, n'est-ce pas, après, lorsque les Guinéens auront donné le temps ou la voie à suivre, le chemin, bien entendu. Donc, seul Koto peut mettre Alpha Do au mur pour qu'il libère nos prisonniers politiques. Et pour ce faire, lui seul a la solution. Oui, lui seul a la solution. Vous savez, Alpha, c'est un dictateur, oui. Mais il a ses limites, il a des limites. Jamais, au plus grand jamais, Alpha Condé n'acceptera que sous son régime, Koto Selou soit en prison. Il faut qu'il le sache, Koto le sache. Oui, Alpha sait qu'en touchant à Koto, il va braquer tous les regards du monde sur lui, sur sa gouvernance, sur sa gestion. Il est conscient de ça. Il ne le touchera jamais. Première des choses. Deuxièmement, Alpha Condé sait que s'il touche à Koto Selou en le mettant en prison, il le rend beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. De même que Condé lui a rendu, lui, grand, il ne veut pas rendre, n'est-ce pas, un opposant du calibre de Koto Selou beaucoup plus grand. Et voilà la vérité. Donc, il faudrait que Koto Selou sorte, n'est-ce pas, de sa crainte. Koto doit se lever sans aucun discours, hein, sans même en parler à la presse, qu'il se lève et qu'il parte à la maison centrale exiger la libération des militaires, la libération des militants, sans quoi lui-même en personne ne quittera plus la maison centrale et qu'il est désormais considéré, qu'il se considère désormais comme prisonnier politique. Je vous assure, le même jour, le gouvernement cherchera à trouver une solution pour libérer les prisonniers politiques. Alpha cherche toujours à couper les herbes sous les pieds de Koto Selou, à lui couper des ailes, lui rendre vulnérable, tel un aigle qui a perdu ses plumes et ses ailes. C'est tout ce qu'Alpha Condé veut. L'affaiblir. Mais lui en personne, il ne veut en aucun cas le toucher. Parce qu'il est conscient s'il le touche. C'est que cela représenterait comme pression sur son gouvernement. Comme, disons, même manque à gagner par rapport aux éventuels financements de la Guinée. Venant, n'est-ce pas, de nos partenaires internationaux. Et oui, chers frères et sœurs, c'est des éléments à ne pas ignorer. Et Koto ne doit pas l'ignorer. Vous savez, c'est humain. Aucun de nous ne sait réellement son poids. Aucun de nous ne sait réellement le charisme qu'on a. Aucun de nous ne sait réellement, ne peut estimer son degré de popularité. C'est humain. Il faut que l'entourage, les gens nous informent, nous renseignent, nous disent combien de fois nous sommes grands. Et Koto en a besoin. Il est grand, il faut le lui rappeler. Il est intouchable en Guinée. Et donc, qu'est-ce qu'Alpha veut? C'est de lui mettre en quelque sorte en résidence surveillée,
ou lui donner la liberté de circuler, n'est-ce pas, à Conakry, sans pour autant sortir. Comme ça, on ne peut le coller, n'est-ce pas, le terme ou le mot prison. Alpha ne veut juste pas qu'on colle à Kotoselou le mot prison, mais en vérité, il vit en prison. Il est en prison. Oui, une prison à ciel ouvert. Il est dans une prison à ciel ouvert. Parce qu'il n'est pas libre, n'est-ce pas, de ses va-et-vient. Il ne peut sortir de la Guinée. Mais il est à Conakry. Il est libre de ses mouvements à Conakry. C'est une forme de prison. Une prison à ciel ouvert. Mais Alpha ne veut pas le toucher, lui mettre à la maison centrale pour qu'on lui colle le mot prison et qu'on dise que les médias nationaux, les médias internationaux disent que Kotosel est devenu d'office un prisonnier politique. L'opposant numéro 1 d'Alpha Condé. C'est ce qu'il ne veut pas. Mais il préfère le maintenir comme ça. Ainsi, il s'assure que rien ne va lui arriver. Parce que même Makoto, dans ses déplacements, il y a les services de renseignement qui le guettent à chaque mouvement. Les éléments de Fabo, bien entendu. Et oui, tel que je l'ai dit, si Koto se lève, il part en toute discrétion, sans même faire de Mamaya, il part à la maison centrale exiger la libération des prisonniers politiques, sans quoi lui, il ne quittera plus la maison sociale et qu'il se considère d'office comme prisonnier politique. Ce jour, nos prisonniers politiques seront libérés. Koto est fort. Il est puissant. Il est grand. Très influent. On ne peut le toucher comme ça et rester tranquille dans son fauteuil. Ce n'est pas possible. Qu'il le sache, il faut qu'on le lui rappelle, chers frères et sœurs. Et donc, ces messages me tenaient vraiment à cœur. Il fallait que je fasse passer ces messages. Et voilà, bon entendeur. Salut.